Et salut tout le monde, c'est Flo Flo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses pour l'année 2018 qui s'annonce. Et pour commencer cette année, eh ben on part sur le DLC du coup de Horizon Zero Dawn, donc il s'appelle Frozen Wild avec l'accent anglais qui est toujours, toujours magnifiquement présent. J'ai vite fait regarder la synopsis du jeu, mais sans plus pour pas me gâcher entre guillemets. J'ai tout plein de trucs parce que c'est vrai que la dernière fois que je vous ai laissé sur ce jeu, c'était pour la dernière mission, on n'avait pas forcément tout. Depuis le temps, bah, j'ai tout récupéré, j'ai plein. Non, c'est pas là. Faudrait. Par contre, les touches, je les ai pas récupérées. J'ai plein de tenues, voilà, j'ai les tenues exprès. Donc celle-là, de fin du jeu, avec un bouclier. J'ai les tenues pour être discret, j'ai les tenues contre l'électricité, contre le feu, contre la glace et contre les projectiles. Et même s'il y a du feu dessus, bon écoutez, c'est pas celle-là que j'utiliserai le plus, je pense. Je pense que j'utiliserai surtout Forgeron au Céram, vu que. Ah non, bah non! Chasseuse Banouk, je pense, pour la glace, parce que si on va. Puisque vu que ça va se passer dans un pays de glace, on se. Si tu as besoin d'aide, On y va tout de va voir suite, ailleurs. c'est juste ici, Garde, au bout de on ne s'implique pas dans la politique. cette longue chose. J'espère que le son est bon. Parce que c'est où le son? Audio. Peut-être mettre un peu plus de dialogue, parce que dialogue on n'en a pas forcément tout le temps. Mais je me souviens que j'avais. Les effets sonores, je me souviens que j'avais remarqué qu'ils étaient beaucoup trop. Présents, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Ok. Excusez, je fais mes petites affaires en même temps. D'habitude, je suis toujours pas organisé. Alors. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a de beau? Cette mission bleue là. Et oui, et j'ai aussi toutes les améliorations du coin. Hein, toutes les coups. Ah non, ils en ont rajouté du coup avec. Avec le truc, j'avais pas vu, c'est quoi? Récupérer des ressources et fouiller les ennemis à terre depuis votre monture. Ouais, j'utilise pas forcément la monture en combat. Décomposer les ressources. Oh! Et les modifications en éclats. Ah, c'est pas mal ça, genre t'as un magasin sur toi. Réparer une monture endommagée avec les éclats de métal. Oh, c'est grave sympa. Dépeceuse acquérie, propriété accrue de récupérer des peaux, des os. Ouais, bah, à moins qu'ils donnent des nouvelles tenues avec le DLC, j'en aurais pas besoin. Augmente les emplacements de ressources. Ah, ça c'est. Oui, ça je le prends. Ça je le prends clairement. Et ça sera quoi le prochain? Réparer la monture. Réparer n'importe quelle machine piratée. Je pirate pas non plus des masses. Appuyez sur carré pour lancer une attaque sautée depuis votre monture. Alors là, je vais voir. Oh, c'est sympa ça. Ouh là, on a plein de nouvelles améliorations qui sont l'air grave sympas. Par contre, la visée, je sais pas si. On verra bien si je sais. Je sais viser à C'est si nouveau. dangereux que ça? Bonsoir, Directement à monsieur. l'opposé de l'Ouest prohibé. Apparemment, j'ai vu que normalement les discours avaient été un peu revus par rapport au fait que. Ça, c'est très joli. Par rapport au fait que dans le. Ah, on peut. Ouais, ok. Que dans le 1, Et il y leurs avait beaucoup de superstitions discours. viennent tout Apparemment, il y en a gâcher. moins. On va aller voir ça tout de suite, hein. Écoutez. Quel est le problème? Une trahison. Par mon propre sang. Je devais partir chasser des machines sur les terres sauvages Banouk, avec de vrais chasseurs. Et puis il y a eu les rumeurs, de nouvelles machines, un horrible microbe, plein de Banouk morts, enfin, bon, tout ça. Alors mon père ne veut plus que j'y aille. Il trouve que c'est trop dangereux pour un fils de noble. Tu fais toujours ce que dit ton père? Oui, bien sûr. J'en retrouve le... le charisme de... De ce personnage qui. Attends, je suis en train de lire en même temps. Tu as déjà chassé de nouvelles machines. Un horrible. L'été à Banouk. Au revoir. Genre, au revoir. Non, en fait, ça m'intéresse pas ce que tu racontes. Mais tu as déjà chassé des machines? Je me suis fait apporter une corne filante pour tirer dessus. Ces mouvements étaient très réalistes. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc forcément je. Voilà. Corne filante, il me semble que c'est des machines, mais.
Elles sont pas non plus ultra difficiles de battre. Ouais, donc je disais, on retrouve le charisme de Aloy. Des terres Banouk, de nouvelles machines à Norim. Quel genre de nouvelles machines? Eh bien, c'est exactement ça. Mon père ne le sait même pas. Il n'a entendu que des Mais on s'en rumeurs fout dans ça. la cour. Et l'horrible Voilà, microbe? horrible microbe. Va savoir ce que ces sauvages entendent par horrible ou microbe. Moi, je veux simplement chasser, franchement. Pourquoi m'offrir une épée pour mon 16e anniversaire? Une épée, c'est fait pour être brandie. L'enfant, Chasser quoi. sur les terres sauvages, tu veux dire Banour? Oh non. C'est si loin des rayons du soleil. L'expédition se ferait engloutir. C'est un lieu qu'on appelle la plaie. La plaie. Une sorte de no man's land hérité de... Tu vois. La guerre. Mais maintenant, c'est devenu l'endroit idéal pour chasser. On y accède par les montagnes au nord-est. Ok, bon, bah on Je y va dois là. enquêter sur ces rumeurs en Go personne. pour les montagnes au nord-est. C'est après la nécropole, derrière les montagnes au nord-est. Tu ne comptes pas te rendre seul dans cet endroit loin du soleil. T'inquiète, le soleil Je est partout. Je suppose que les étrangers peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Par le soleil, c'est si dur d'être noble. Oh. Calvaire. Bah oui, hein. Ah, franchement, c'est difficile la noblesse. Pouh, pouh. Bah, qu'est-ce qu'elle fait en bas? Bah. Je suis condamné à ah bah, ne connaître génial. L'aventure qu'à travers des recueils de. Hein? What the fuck? Ok, bon bah. Viens plus là, si tu peux. Voilà. Oulala, calme-toi. Attends, je ne sais plus. Cours, s'il te plaît, merci. Oui, faut être bien plongé dans l'univers parce qu'il y a encore y a des petits trucs là que j'ai pas tout saisi du coup. Parce que bah, ça monte quand même un peu. Hein. Bientôt un an plus déjà, c'est vrai. Si tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Ok, du coup, on va pour les terres au nord-est. Avec la nouvelle zone. Ah, la zone, elle est pas ultra grande, mais elle est pas non plus petite. Est-ce qu'on va écouter? Voilà. Je veux dire. Des pseudos acquis pour augmenter vos chances de trouver. Ok. Ah ouais, par contre, on a les chargements qui sont toujours aussi lents. Mais c'est vrai que là, faut forcément voir le noble qui se plaint alors que nous, on vient d'une tribu. De la tribu Nora et qu'on était une paria en plus. C'est sûr que. Voilà comment on le prend. Ah, j'espère qu'il y aura en plus encore des choix. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool qu'il y ait des choix en plus. Allez, le chargement, s'il te plaît. Oui, j'ai pas envie d'aller pisser les chargements, alors je laisse tourner, hein. Écoutez. La tenue Blason Karja offre une protection contre les dégâts de feu. Je crois que je l'ai, celle-là. Blason Karja. Allez, le chargement, oui! Non? Si? Non? Peut-être? Ah oui, je sais pas. Oula, 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 calme-toi. Voilà. Oh là 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 là. J'espère que le skill va revenir, écoutez. On verra ça. Ok, c'est par où? Ça ne casse toujours pas, ça, je suppose. C'est pas rigolo. Pour l'instant, je reste en tenue, écoutez, de protection. Parce que d'ailleurs, je sais même pas si je vais changer de tenue à un moment, hein, mais. Toi, t'es un marchand, je suppose. Je trouve ça grave stylé, un peu. Peut-être que je ferais. Peut-être que vu que. Là, on reprend une nouvelle partie. Enfin, que c'est pas en plein milieu du gameplay comme la dernière fois, j'avais dit. Faire ça. Les modes photo pour les. Waouh, c'est moche! Ah, c'est très très. C'est très très moche. Voilà, là, c'est bien. Mais c'est moche quand même. C'est moche, voilà, y a pas d'autres mots. Je sais pas encore comment je ferai une miniature. Ça. C'est mystère. Parce qu'après faire une pause à chaque fois et mettre le mode photo, ça gaspille du temps. Et ça, on n'a pas envie de voir ça quoi.
C'est pas l'objectif. Découverte votre camp. Du coup là on aura accès à cette nouvelle zone. Je me souviens plus bien ici, c'était... Je sais qu'on avait découvert des réponses. Surplombé par le territoire Banouk. C'est très stylé ça, dites-moi. Allons-y. Alors j'ai fait un test juste avant de lancer. Enfin juste avant, quelques temps avant. L'image était un peu floue, donc je suis désolé, vous n'aurez pas une image ultra nette. Vous n'aurez pas toute la beauté du jeu. D'ailleurs, en parlant de Banouk, je pense à Banouk. Objets spéciaux peut-être? Non. Ah si, peut-être. Dans le carnet. C'est pas les statuettes Banouk ça? Mais si! Des collections artefacts de type peuvent être échangées. Ouais, mais on s'en fout ça. D'ailleurs, je sais même pas si j'étais les échanger ces trucs. Donc ils aiment beaucoup les animaux avec des cornes. Voilà. Après, je sais pas si la couleur signifie quelque chose. Donc la tribu serait pas disparue en fait, elle serait bel et bien là. Et elle aurait des équipements. Si on peut avoir un équipement lumineux, je le veux. Ah ça je le veux. Direct. Alors le métal on prend, après... Ça on prend... J'essaie de faire attention parce que même si on a un plus grand inventaire, ça on prend, c'est important, la flambée, oui. Le givre, ça j'en ai... On a masse de ça. Je prends tout mais bon. Qu'est-ce que tu fabriques, Aloy? Ce sentier lui. Conduit à la plaie. Les Banouk n'ont rien d'autre à offrir que du mysticisme de bas étage. L'éclipse ne va pas rester à rien faire pendant que tu batifoles dans la neige. Remets-toi au travail. Alors. C'est drôle que tu me surveilles toujours. Je croyais que t'avais tourné la page. Tu m'excuseras de me sentir concerné par le destin du monde. Je réfléchissais. Les chamans Banouk s'enroulent dans du câble de couleur bleue, non? Ça nous rappelle quelqu'un d'autre, non? Alors peut-être que tu veux que je me tienne à l'écart des Banouk pour ne pas fouiller dans ton passé. Ce n'est pas mon passé qui m'intéresse, Aloy. C'est l'avenir. Ou son absence potentielle. C'est pourquoi tu devrais arrêter de jacasser et en revenir aux choses sérieuses. Mais comme toujours, tu n'en feras qu'à ta tête. Susceptible. J'adore Aloy. J'adore Aloy. Alors, si vous n'avez pas vu le Let's Play Horizon. Oh, c'est trop bien, ça fait... Wow! Allez le voir parce que dans quelques secondes je vais pas me gêner pour dire ce que je pense de Silence. Voilà, vous avez le temps de faire pause et de quitter. Alors Silence. C'est vrai qu'il a ces trucs bleus dans le crâne, hein, ce petit Silence. Et avec ce qu'on a vu dans le dernier épisode sur Silence, c'est difficile de jouer avec lui dans les oreilles du coup. Enfin. On sait ce qu'il fait. On sait ce qu'il... Que j'en aurais besoin. Pourquoi potion anti-feu? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Grilleuse. Nouveau prédateur. Daimoniaque. Je vois la chaleur émaner de lui. Faiblesse glace. Y'a pas de sushi. Y'a pas de sushi. Oh purée, j'ai peur. On va s'équiper pour... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme truc? Bonbonne enflammée. On va essayer de... Oui, donc avec ce qu'on a découvert sur Silence là. Donc peut-être que ce DLC va nous apprendre plus sur Silence. C'est que dans ce DLC on va découvrir ce que fait réellement Silence. Et que... Oh punaise. Bonjour. Salut toi. Lâche-moi, va-t'en. Ok, il est pas du tout sensible au froid. Non. Ah, Oh la vache. J'étais pas prêt pour ça. La vache. Il a pété. Pète, s'il te plaît, pète. Merci. La deuxième. J'ai ça. T'aimes bien ça ou pas? Non,
Hop. Raté. Ah mais il est ardu celui-là. Comme ça on n'est pas dans la merde hein. Je confonds les touches. Je confonds toutes les touches. Bon, tu vas te calmer hein. Ça suffit maintenant. Non, en fait l'arc de guerre ne me servira à rien. Il va me servir à rien. Mais l'arc de précision, lui il va me servir je pense. Attends, je change d'arme monsieur. Genre pour ça. Boum. Attention parce que je vais me fâcher hein. Il n'y a pas perdu de vie j'ai l'impression le truc. En plus on est dans un espace tellement restreint. Heureusement que j'ai fait plein de plantes avant. Alors tu vas mourir, tu vois comment ça se passe. Je suis nul. Il est où? Tiens. Tiens. Mais lance ton feu, lance. Mettre en tenue Karja cette fois parce que la tenue Karja est bien protégée contre les flammes. En l'occurrence bah on fait que ça. Batia. Allez. Bon le combat était nul, je suis d'accord. Mais c'est pas grave. Donc ouais, on va peut-être apprendre plus sur Silence. Ça fait trop de références à des jeux dans ce let's play parce que. Pourquoi y'a. Ok. Et les esprits de la neige. Parce que Silence slash le jeu, que j'en ai déjà parlé, hein. Et Daemon là, Diamond, comme dans FF15. Tout est lié. J'aime pas trop l'ambiance. Oh, mon souffle gèle avant même que j'expire. Génial. Prends ça, c'est pas utile. Ça c'est quoi? Plante de givre. Non, je pense que ça sera pas utile. Au pire, on ramasse une pincée de neige à terre. Bonjour. Il y a quelqu'un là-haut. Merde, j'ai pris. Très utile. Plante ardente, ouais. Je sais pas trop. Étrangère dans la montagne. Il est temps que vous me voyez. C'est un accueil comme un autre. Attention, je suis armé. Première question, est-ce que vous connaissez Silence? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Silence? Pourquoi il n'est plus avec vous? Il a été rejeté parce qu'il avait commis des méfaits. Ah, ça me l'a fait chaud là-haut, Nora. L'escalade m'a bien fait transpirer. Qui me parle? Et puis, ça se voit tant que ça qu'on est Nora, je sais pas. Enfin, dès qu'on nous voit, ah, c'est elle, c'est Nora. Attends, c'est quoi? Vous êtes arrivé à la plaie, étrangère. Vous n'y resterez pas. Vous êtes à la cime du champ, plus grande colonie relou, de la plaie. Bien sûr. Ramassez un caillou. J'en ai combien des cailloux? J'en ai 5. Ramasse un caillou. Oh, là c'est la beauté. Waouh. Genre. Attendez, qu'est-ce que c'est? De la fumée s'échappe de la montagne. Ah, génial. Et du village aussi. Mais pourquoi? Ouais. Donc déjà pourquoi donc c'est un nuage qui ne bouge pas, on est d'accord. Voilà, c'est un nuage qui ne bouge pas. Et il y a les trucs d'Hadès, d'Arès, non, Hadès. Non, Arès. Oh loulou, je me souviens plus trop. C'est pas top ça. Ouais non, on va pas faire une miniature. Flemme. Au pire flemme, voilà. Vous qui êtes mort au fil. Bonsoir. Votre chant ne sera pas oublié. D'accord. Ça vous dérange pas si je fouille, hein? Non, ça vous dérange pas. Notre chaman nous a abandonnés. Notre chef de clan a mené nous à la mort. Où trouverons-nous l'espoir? Dis-moi que ton chef c'était Silence, s'il te plaît.
Parce qu'à mon avis, on n'a pas juste un DLC pour dire d'avoir un DLC. À mon avis, il y a forcément un petit truc derrière. Être Banouk, c'est admettre que la mort peut survenir à tout moment. Nos chasseurs le savaient. D'accord. Faites confiance à Ouria. Elle reviendra. Je prends ça, la givre là, je m'en fous un peu. Pas sauvegarder, non? Ah, parce que c'est vrai que du coup, je peux pas arrêter l'épisode quand je veux. Karatak s'est dirigé à Verak. Nous devons lui faire confiance. Faut que je trouve un feu de camp. Parce que je pense pas que je peux sauvegarder là. Non. Mais ça, il y a quand même des feux de camp assez fréquemment, on avait vu. Rien à récupérer, en même temps, vous me direz. Leur champ ne doit pas être oublié. Il doit y avoir un événement. Avec tous ces habitants qui se dirigent vers la fumée. Attends, lui, il a l'air spécial. Ah non, elle, pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était un casque, vous avez... mais c'était vos cheveux. Désolé. Ah, c'est un casque aux cheveux, on va dire. Ah, mais attendez, il y a quelque chose par là. Pas juste, voilà. Pourquoi il y a des câbles bleus partout? C'est quoi leur délire? Ouh. Non. Ouais bon, y a rien quoi, hein. Voilà, on est d'accord. On va dire qu'il y a rien. Ça sent vraiment pas bon là avec tout ce... cette fumée là. Attendez, parce que d'un côté je me dis que non, mais d'un côté je me dis que bon. Écoutez, masqué joueur. Comment fonctionne cette chose? Été. Rose. Ça c'est rose ça? Purée. Comment on voit nous? Ok. Nous c'est comme ça qu'on voit. Une lumière chaude. Bordure. On s'en fout. Vignotage. Ah mais oui, vignetons. Non. Je vais mettre ça. Attendez, je vais mettre. Ah bah aucune, bah voilà. Alors, pourquoi me faites chier? Il a dit chier. Ah je peux pas. Ah je peux pas bouger la caméra. C'est nul. Je vais prendre une série de miniatures. Voilà. Et on verra bien ce que ça donne. Au pire, je me ferai un... Au pire, je me débrouillerai avec mon montage, comme d'hab. Sauvegarde rapide, STP. Au cas où on meurt. Bonjour. Vous ressemblez tous à Mei. Vous me faites flipper. Enfin, bon. Enfin non, là, non, mais... Tu n'as pas dû voir ça souvent, Laura. Burgrend, fournisseur de matériel. Généralement, les Banouk brûlent leurs morts. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais, une sale histoire. Leur meilleur guerrier, mort. Ils leur offrent des funérailles d'un autre genre. D'accord.
Saisissez votre peine, mes chasseurs. Tuez-la. Nos proches ont trouvé le destin auquel tout Banouk aspire. Tombez la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel et plus haut vers la lumière bleue. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daimon qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de nos chers disparus? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement? Le courage, ma lance! Notre sang est entre tes dents, Aratak! Nous sommes Banouk. Nos ennemis sont nos proies. Daimon qui enrage les machines. Des machines ont tué les meilleurs d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Retourner là-haut. Idiot. Tu veux un conseil? Entre nous. Aloy. Ça fait déjà deux longs hivers que je suis là. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les Banouk. Tu vois cette pagaille? Tout a commencé quand l'un de leurs chamans, Ouréa, s'est mis à parler partout d'esprits et de démons au sommet du fût du tonnerre. Ils ont envoyé leur Vérac là-haut, et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ouréa a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi. Mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Ok. Le son était incroyablement fort d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Les Banouk Silence. Tu as entendu parler d'un certain Silence? Grand, trop sérieux, des câbles partout, comme un chaman? J'ai entendu ce nom une ou deux fois. Toujours à mi-voix, comme un croque-mitaine que les Banouk veulent oublier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il a fait quelque chose au conclave. Ou peut-être l'inverse. Le conclave? Les chamans les plus importants se rassemblent à Banour de temps en temps. Pour se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles. Ne me demande pas comment ils font pour tous tenir dans la même tente sans que leurs énormes coiffes s'en mêlent les unes dans les autres. Ouréa y est déjà allée. Mais quand je lui ai demandé des détails, elle m'a lancé un regard noir. Si tu veux en savoir plus, mieux vaut lui parler. Et l'amadouer, d'abord. Bonne chance. D'accord. Donc merci de révéler la vérité. On va baisser le son un petit peu. Enfin, moi je baisse le son un petit peu. Ouréa, du coup. Et c'est Ouréa qui a parlé de ce Daimon? C'est ça. Elle a dit à Aratak et aux autres qu'il vivait en haut du fût du tonnerre. Et ils l'ont cru. Mais toi non. Écoute, je ne sais pas ce qu'Ouréa a trouvé là-haut. Un chaman ne parle pas à un étranger. Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives. C'est un fait. C'est peut-être à cause d'un Daimon. Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion, qu'est-ce que j'en sais. Mais Ouréa n'est plus là pour l'expliquer. Elle est partie. Personne ne sait pourquoi. Génial. Génial. L'ambiance est super ici, hein. Qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les Banouk? Tout est une épreuve pour eux. Un obstacle à surmonter. Un défi à relever. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop le choix, vu l'endroit. Oui. Un froid tellement fort qu'il gèle les dents. Des animaux sauvages partout. Ils pourraient accepter un peu d'aide à prix raisonnable, non? Crois-moi, j'ai essayé de les convaincre. Mais un Banouk qui n'a plus rien à prouver se laissera plutôt mourir. Ok, d'accord. Continue. Cet Aratak est un guerrier renommé? C'est un chef Vérac. Sa voix impose un profond respect. Mais on ne l'entend pas souvent. Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte. Mais quand Ouréa et lui sont arrivés avec leur Vérac, ils ont attiré plus de Banouk que je n'en avais jamais vu. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la roquette. Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère.
J'ai perdu mes meilleurs clients. Bon, bah, toi, je t'aime pas trop, du coup. Merci, parce que tu penses qu'à la thune, mec. Oui, c'est ça, je viens de savoir. C'est Vérac, au juste, Burgrend. Un genre de tribu dans la tribu. Ce n'est pas comme les clans de mon peuple. On n'en fait pas partie dès la naissance. Il y a des épreuves. Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place. Certains Vérac sont temporaires, d'autres sont aussi durables que le métal. Tout le territoire Banouk, Banour, regroupe juste les plus grands et les plus anciens Vérac. Je sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus. Bon, une chose est sûre. Chaque Vérac a un chef de clan et un chaman. Ensemble, ils prennent les décisions. Tout irait bien si les chefs n'étaient pas aussi têtus et les chamans perchés dans les nuages. Ouais, bah en fait, j'ai encore moins bien compris, mais c'est pas grave. Lui, en fait, il est gentil, hein. Il a l'air gentil, mais les gens qui pensent que... Ils sont morts. Ouais, putain, j'ai perdu mes meilleurs clients. Tu dis okay. Que tu vis c'est ici cool. Depuis deux hivers. Oui. Chez moi, des marchands de fourrure m'avaient parlé de cette amas de vieilles tentes isolées. Un bon endroit, prêt à changer. On survivait à peine jusqu'à ce que les Banouk affluent pour Ouréa. Un grand prophète arrive, qu'il disait. J'ai vu la fortune. Mais j'avais tort. C'est pas que les Banouk sont pingres, mais ils préfèrent commercer entre eux. Si on pouvait convaincre assez d'entre eux, le nom de ce bled apparaîtrait sur la carte. Ou du moins sur une carte. Hein? Moi et ma... Mon assistante, Varga. Mon assistante et ma fille. Mais on s'entend mieux en tant que partenaires commerciaux. Sa mère voulait que je lui enseigne un boulot. Elle s'est mise à bricoler des armes. Oh, quand tu en auras assez de ces petites histoires de Banouk, va donc la voir. Vous êtes... comment dit-on déjà? Des femmes? Non. Indépendante. Tu la trouveras à l'entaille, le camp Banouk tout à l'est. D'accord, je t'aime pas beaucoup en fait finalement. Je veux en savoir plus sur ce dame. C'est les fadaises, Aloy. Ou c'est plus compliqué, en lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ouréa. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace. On dit que seuls les chamans connaissent la piste qui traverse ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltouk. Il est parti chasser des rumeurs. Loin, au nord d'ici. Des rumeurs? Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige. D'étranges structures. On parle même d'une machine, d'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincu. Merci pour tout, Burgrend. Il n'y a pas de quoi. Je me demande si Aratak pourra m'en dire plus sur Ouréa ou le fût du tonnerre. Ça vaut le coup d'essayer. Oui. La machine inconnue, on en a croisé une, hein. Donc nous, il n'y a pas de souci. Si je résume, ce truc là-bas qui crache du feu, c'est le fût du tonnerre. C'est le fût du tonnerre. Il y a des bons chasseurs dans ce Vérac. Ouréa, celle qui a annoncé l'arrivée des démons. Et là-bas, dans les pics. Non, dans les aiguilles de glace, quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu dire. Sauf qu'on ne sait pas où exactement, parce qu'elle a disparu. Du coup, on va chercher Naltouk. Ça peut être intéressant de parler à Valta, c'est ça, la fille de Burgren, si on les la trouve. Les bandits sont des lâches. Si jamais ils sont elle est là. D'affronter un adversaire face à face. Si jamais on trouve ça hut. Les Banouk de la cité du champ sont en grâce à part. Nous méritons un pain sans vraiment aussi. Aucun scrupule. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Ils sont pris dans la glace. Donc lui c'est Naltouk, c'est ça. Je ne suis jamais descendu plus au sud que la nécropole. Aratak et ensuite. Les démons nous en empêcher. Donc c'est elle, Valta. Ah bah non. Si on doit affronter des machines plus puissantes, on va devoir être de. Est-ce qu'on peut avoir la carte? Génial. Alors, ça c'est la quête qu'on voit. Ça, je vois pas du tout c'est qui, mais là il y a l'air d'avoir un lac sympathique. En plus, on trouve pas Valta, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, toi, t'es un marchand bleu, pourquoi t'es bleu? Ah! Les armes et les tenues, ça j'aime. Qu'est-ce que vous êtes plus? Arc redoutable. Donc, toi, c'est comme l'arc de précision, toi, comme l'arc de chasse, et toi, comme l'arc de guerre.
Des tirs puissants. Il faut des cristaux bleus. Des cristaux bleus. Enfin. Le français. Ok, d'accord. On peut avoir pour objectif de chercher des cristaux bleus. Pour l'instant, on sait pas trop ce que c'est. Donc, on va un peu laisser ça comme ça. Chasseuse discrète. Cette tenue me fait rire, écoutez. Cette tenue me fait rire. Mais au pire, ça, le feu, bon, j'ai de quoi. Hein. En attendant. Donc, on va pas faire ça. On va pas faire de ça notre priorité. Parce que j'ai quand même de quoi me cacher. 60, 30, 60, 60. Et moi, j'en suis à combien? Moi, j'en suis à 61. Celle-là, elle est bien, 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 bien huppée. Ah oui, c'est ça. C'est... J'avais pas de truc de feu. Sauf celle-là qui est un peu pourrie. Est-ce que j'ai des modificateurs? Mais non, des modificateurs. Genre celui-là. Anti-feu. Anti-feu. Ça peut pas être pire. Hein. Anti-feu. Voilà. Et encore un anti-feu, j'ai que celui-là. Bah c'est parfait. Anti-feu. Boum. Du coup je suis à combien? 110. Ça c'est bon. Non, pas ça. Et là, j'ai un truc pour la discrétion ou pas? Non. Non, non, non. J'ai pas ça. Ah, mais j'ai le bleu, là. 8, 8. Ouais, non. Mais donc, pour l'instant, c'est pas la la tâche principale, hein, les tenues. On en a au pire. Mais c'est vrai qu'elles sont stylées, quand même. Sauf celle-là. Celle-là, elle me fait penser à rien, en fait. Mais... J'aime pas trop, c'est vrai. Celle-là est disons un peu plus habillée. Elle me fait penser à la... Enfin, un peu plus habillée que celle de feu qu'on a. En plus, elle a 3 modificateurs, du coup, elle pourrait être mieux. Elle me fait penser à notre ami là qu'on avait dans le truc de chasse. On va pas tarder à se laisser, hein. Mais j'aimerais bien trouver Valter. Alors, les machines du sud subissent leur propre corruption. You. Ah, c'est toi. Non. C'est pas toi. Ah, te voilà. Elle, c'est une marchande normale. J'ai plein de caisses, faudrait que je les ouvre, mais bon, ça. Voilà. Un bon feu, une bonne tente. Et un bon ce village est assez grand en vrai, ça me. Oh, mais le petit enfant il passe à peine dans la neige, quoi. Écoutez, au pire, Valta. Fais confiance au chaman. On la croisera bleue pas. On montrera la voie pour vaincre les nouvelles machines du Daemon. Ça rime. Là-bas, peut-être, mais sinon. Le puits de pierre a toujours appartenu au bandit. Ça, j'ai vérifié. Ces bandits devraient savoir qu'il nous revient. J'ai pas croisé de quelqu'un qui s'appelait Valta, donc. Hop. Peut-être toi. Pas. Tu es qui, toi? Laolai. Moi, je me gourre et qui a dit que c'est ta fille, c'était Laolai, mais je ne pense pas. C'est comment ta fille déjà? Au sujet de ce conseil, Urgren. Allez, je te le répète une dernière fois. La prochaine fois, ce sera payant. Oh. Excusez. À bientôt, Burgren. J'espère. J'aime les clients. Tais-toi. Merci. Bon, bah, on ne saura jamais le nom. Au pire, je me re-regarderai la vidéo et comme ça, je saurai le nom de sa fille. On va quand même juste parler à Laolai si c'est pas trop long et après, on se laisse pour ce premier épisode. Bonjour. Tu as l'air triste, étrangère. Tu parlais d'une inondation? Oui. Un flot soudain, sans pluie ni dégel pour l'annoncer. Oula. Je suis Laolai, percussionniste du Rafu. Ou je l'étais, avant que les eaux ne l'engloutissent. Le Rafu? C'est quoi? Une alcôve, sculptée par les anciens. Une chambre, un bassin et un instrument de musique tout à la fois. Ma vie, ma vocation. Je te l'expliquerai en jouant un air, mais... Mais tous les conduits sont engloutis sous l'eau. Oulolou. Alors, le Rafu est un endroit et un instrument de musique? Oui. Des conduits qui émettent une note parfaite sous un bassin qui l'amplifie. Un merveilleux édifice dont se servaient les anciens pour porter la musique au loin. Pendant la guerre, mon père faisait sonner des conduits pour rallier les Banouks contre les Karjas. C'est mon rôle maintenant. Mais nos batailles se sont faites extrêmement rares.
Je joue le plus souvent pour le plaisir, ou en souvenir de ma famille. Bien sûr, si les eaux ne baissent pas, à quoi servent le plaisir et les souvenirs? Oui, bon, bah écoute, c'est sûr que ça fait plaisir de lancer ta musique pour faire croire à tout le monde que c'est la guerre et qu'en fait non. Bon, c'est pas grave. Les eaux sont montées d'un coup. Avant, tout était sec. Du jour au lendemain, la rivière voisine a quitté son lit et inondé le bassin. Je ne comprends pas. Ah, elle avait marre, étant. Il n'y a pas eu de pluie, pas le moindre nuage. Pourtant, je n'avais jamais vu la rivière monter aussi haut. Depuis, ça ne bouge plus. D'accord, et c'est où, c'est exactement? Une crue sans pluie. C'est étrange. Où est-ce que c'est? J'irai voir si je passe dans le coin. Au nord-ouest d'ici. Comme vous voudrez. Mais ça n'arrangera pas grand-chose. La crue ne va pas redescendre comme ça. Comment demander à une rivière de se calmer? Bah, gentiment. Attendez. C'est où, ça? Oh, il y a plein de trucs. Non, ça, c'est autre chose. C'est pas du tout pour nous. Trouver une altuque, trop parler à Ratak, rejoindre le lac. Ah, bah, le lac, c'est le truc qu'on a vu. Voilà. Ok. On s'enfonce déjà loin dans le truc, hein. Ah non, ok, le lac, il est là. Ok, excusez-moi, le lac n'est pas du tout, je pensais. Bon, bah, tu attendras, du coup. Laolai. Mais j'aime bien ton prénom. Laolai, c'est cool. Bref, on va se laisser là. Silence par les eaux. J'espère que cet épisode, ce premier épisode du DLC Frozen Wild vous aura plu. L'accent anglais magnifique. Et puis on se retrouve, moi je retourne direct après. Parce que j'ai envie. Voilà. Allons sur ce tombeau. Je vous retrouve bientôt. Ah, je peux vraiment pas. Voilà. Je vous retrouve très bientôt. Il y a plein de blizzards, ça va être fort sympathique pour voir toutes les bestioles. Ouais, fort sympathique. Allez, je vous retrouve très bientôt, je vous dis à plus, portez-vous bien, tchuss, etc. Très froid, j'ai compris. Oui, bon bah écoute, on n'a pas la tenue adéquate, si on avait remarqué. Allez, tchuss, à bientôt.